Le peuple, quand même, si on essaie de voir, le peuple soutient la transition. Ça, c'est, il faut le reconnaître. Le peuple soutient la transition. Ce que dit le peuple, c'est que les autorités de la transition sont en train de libérer le Mali d'une sorte de néocolonialisme. Rien que de la façon dont les autorités sont en train de prendre des décisions, au regard de la France, au regard du Danemark, au regard de tous les partenaires, au regard de la Russie, le peuple malien, dans sa grande totalité, dans sa grande partie, se sent fier de ces autorités qui ne se font pas dicter de loi. Donc, en tout cas, la population malienne, dans sa majorité, je dis bien, soutient ces autorités de transition qui sont en train de tenir tête à la France. On n'a jamais vu dans l'histoire du Mali un pouvoir qui a expulsé l'ambassadeur de la France. On n'a jamais vu dans l'histoire du Mali un pouvoir qui a demandé à des troupes européennes de plier bagages, qui insiste, qui persiste, qui signe aussi et qui a fait venir de risques d'une société privée Wagner, sans que cela soit accepté par la communauté internationale. Donc, les actes posés par la junte, les nouvelles autorités, ce sont des actes soutenus par la grande majorité du peuple. C'est vrai qu'il y a une opposition, mais l'opposition, pour le moment, c'était parce que la situation n'est pas favorable en elle. La plupart de la population soutient la junte qui est au pouvoir.